Bonsoir à toutes et à tous. Cher Henri, bonsoir. Laissez-moi vous dire l'immense joie qui est la mienne de vous accueillir ce soir à Orsay. Il y a beaucoup de souvenirs qui passent, qui tournent dans ma tête ce soir, beaucoup de grands moments à vos côtés. Avoir appris mon métier dans cette maison à vos côtés est un moment exceptionnel dans une carrière de conservateur. Et je vous dois beaucoup. Beaucoup de gens le savent qui sont ici dans cette salle. Et je voulais vous remercier de votre soutien constant tout au long de ma carrière. Mais nous n'allons pas évoquer des souvenirs d'anciens combattants ce soir. Nous allons parler d'un artiste qui vous est évidemment très cher, que vous fréquentez avec passion depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans, plus de 40 ans, à qui vous avez consacré des expositions. Luc l'a rappelé à l'instant, mais je me permettrai d'être un peu plus précise. Degas et l'Italie. À la fin des années 80, en 88, 89, au Grand Palais, une exposition absolument fondatrice, qui a marqué la renaissance des études au fond sur Degas, qui a changé profondément notre compréhension de cet artiste et qui a ouvert au fond la voie aux études modernes, récentes sur Degas. Vous étiez en compagnie de John Sutherland Box, de Gary Tintoro, de Michael Pantazzi, et c'est vraiment une exposition événement qui a d'ailleurs été accompagnée par la biographie que vous avez publiée à ce moment-là chez Fayard. Et puis vous avez bien sûr continué à fréquenter cet artiste à Orsay quand vous avez dirigé cette maison, et vous lui avez consacré à nouveau récemment, l'année dernière, une magnifique exposition que malheureusement le public français n'a pas eu le bonheur de voir, exposition qui s'est tenue à Melbourne et à Houston, Degas A New Vision en bon français, avec un texte absolument remarquable et dans lequel vous faites au fond, vous commencez par une mise au point, une espèce de mise en perspective de votre propre cheminement auprès de cet artiste et de une sorte de synthèse de l'ensemble de ses études depuis 40 ans consacrées à cet artiste. Et avant même que nous rentrions dans le cœur de la conversation, je voulais annoncer à notre public que vous continuerez à travailler sur Degas à nos côtés à Orsay. Nous en sommes extrêmement heureux pour un magnifique projet que vous portez, dont vous assurez le commissariat général, que nous présenterons dans 2 ans, à l'automne 2019 à Orsay, consacré à Degas à l'opéra, sujet qui n'a jamais d'ailleurs été traité en exposition, comme quoi il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup à dire sur l'artiste. Et vous serez d'ailleurs, vous êtes épaulé, accompagné par Marine Kiziel et Lila Gerboué, dont je salue encore le travail pour Degas Danse Dessin, qui est un très bel exercice autour de la collection d'Orsay, une très belle relecture à travers le regard aiguisé et informé de Paul Valéry. Cher Henri, dans le texte introductif de ce beau catalogue, vous dites une chose qui est assez rare de la part d'un historien d'art. Vous dites qu'au fond, peut-être, les sources les plus précieuses pour votre étude, votre compréhension de Degas, ce ne sont pas finalement les travaux de vos prédécesseurs, historiens d'art, mais ce sont d'abord les témoignages directs de personnes, de personnalités qui ont connu Degas, et que c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour vous dans votre fréquentation, votre compréhension profonde de l'artiste. Peut-être pourriez-vous nous en dire un mot. Quand j'ai commencé à travailler sur Degas, donc on est à la fin des années 1970, au début des années 1980, c'était un artiste qui était encore un artiste proche. Je dirais que c'était la génération de nos grands-parents. Et j'ai eu la chance de rencontrer, commençant à travailler sur lui, beaucoup de gens qu'il avait connus ou dont le père l'avait connu. Donc c'était un artiste qu'on pouvait en quelque sorte toucher, c'était un artiste familier. Ce n'était pas devenu quelqu'un de complètement, je dirais, éloigné en quelque sorte et classé une fois pour toutes dans le domaine de l'histoire de l'art. Donc il y a eu ces témoignages qui n'avaient pas été recueillis. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup surpris. C'est qu'au fond, le grand travail qui avait été fait entre les deux guerres, les travaux remarquable, hein, d'un Paul-André Lemoine, par exemple, qui vivait du temps de Degas, qui avait publié du temps de Degas, qui a réalisé ce grand catalogue de l'œuvre de Degas, n'avait pas sollicité ces témoignages. Il était comme hors sol, en quelque sorte, dégagé de toutes ses préoccupations. Et que beaucoup d'auteurs qui avaient travaillé sur Degas dans l'entre-deux-guerres, peut-être mêlaient des souvenirs personnels, mais ne s'étaient pas attachés véritablement à recueillir tout cela. Et c'est une génération qui est hélas disparue aujourd'hui. Et c'est vrai que j'évoque avec beaucoup, beaucoup d'émotion, je dirais, ces gens que j'ai connus, Agathe Rouard-Valéry, par exemple, la fille de Paul Valéry, et on est en plein, je dirais, dans son actualité, puisque vous avez cette exposition de Degas dans ce dessin, mais qui avait connu Degas, qui l'avait vu. Donc pour un tout jeune comme moi, voir des gens
qui pouvait évoquer, je dirais, au-delà de documents d'archives ou de livres d'histoire de l'art, effectivement, cette grande figure était quelque chose de merveilleux. Mais il y avait aussi Paulette Howard Johnson, qui était la fille de Paul Helleux, il y avait aussi la fille de Brakavall. Enfin bref, on arrivait de façon très, très facile, je dirais, à toucher un milieu qui avait connu Degas, qui était celui de Degas, et donc avec une proximité avec l'artiste. Et ça a permis effectivement de recueillir énormément de documents. Et vous avez évoqué l'exposition de 1988, qui a été un travail considérable, avec, je dirais, sous la houlette de Jean Box. C'était une figure remarquable, on l'évoquera peut-être, parce que c'est une de ces figures qui a beaucoup fait pour la découverte de Degas, et notamment du Degas tardif. Lorsqu'elle était directrice du musée de Philadelphie, elle avait acheté un magnifique tableau tardif de Degas, rouge et blanc, la toilette, et c'est vraiment à elle que l'on doit... Je me demande si nous ne l'avons pas en illustration, pardonnez-moi, parce qu'on a quelques images quand même. On ne sera pas aussi aride que Reloutier. Non, on ne l'a pas. On l'a pas. On a le tableau de Londres, mais on n'a pas... Voilà, donc du coup vous m'avez troublé, je sais pas ce que vous avez dit. Oui, le tableau tardif, voilà. Et la découverte du Degas tardif. Donc le travail de l'exposition de 1988 a été vraiment un travail de récollement de ces sources et de voilà, et ça je pense que c'est quelque chose. C'est un nouveau Degas qui a émergé à ce moment-là, beaucoup plus complet en fait, oui. Beaucoup plus. Ce qui s'est passé, c'est à la mort de Degas, donc on est en 1917. On est en pleine guerre. Depuis des années, Degas ne produit plus, il a déménagé, il est dans son appartement du boulevard de Clichy. Il s'est séparé en quelque sorte de ses œuvres. Il est, à la fin de sa vie, en tout cas à partir de 1911-1913, il est pratiquement plus là. Et lui qui avait eu tellement le souci de son œuvre, qui avait constamment, et ça on y reviendra sans doute, Laurence, travaillé, retravaillé ses œuvres, avait complètement abandonné, et ses œuvres d'ailleurs, et sa collection, il reparlera aussi sans doute de ça, de sa collection. Et puis tout d'un coup, on découvre dans les grandes ventes, en 1918-1919, l'œuvre complète, quasi complète, d'un artiste, au fond, que l'on ne connaissait pas. Ce que l'on connaissait véritablement alors, c'était le Degas des années 1870, des années 1880, celui qu'on appelait le peintre des danseuses, celui que vendait Durand-Ruel, celui qui produisait ce qu'il appelait lui-même des produits ou des articles, c'est-à-dire des œuvres destinées à la vente, alors même qu'il gardait le plus souvent les œuvres les plus importantes de par lui. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de révélation absolument extraordinaire d'une œuvre multiple, pour certains incompréhensible, extrêmement diverses d'un point de vue technique. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne mesurait pas récemment. Il faut penser qu'il n'y a pas eu, avant les années 1890, d'exposition personnelle de Degas. Degas n'apparaissait que chez son marchand, Durand-Ruel, pour ceux qui le fréquentaient, ou dans des expositions de groupe, ce qu'on appelait les expositions impressionnistes. Donc, tout d'un coup, effectivement, c'est une révélation. Mais en même temps, cette carrière, qui est une carrière de 50 ans, une révélation troublante, parce qu'il y a des choses que l'on découvre que l'on ne connaissait pas. On pense à la famille Bellelli, qui éclate effectivement. Alors on peut peut-être avoir l'image de la famille Bellelli. Qui éclate comme un des grands chefs-d'œuvre des années de jeunesse, immédiatement acheté par le musée du Luxembourg. Et puis, il y a cette œuvre tardive qui déroute terriblement et qui est très mal jugée. Et certains, notamment la famille Rouard, qui était pourtant très proche de Degas, se demandaient comment on n'avait pas brûlé de telles horreurs. C'est-à-dire que beaucoup étaient déroutés, en quelque sorte, par ce qui restait dans l'atelier et auraient préconisé une solution beaucoup plus drastique, alors que tout avait été effectivement sur le marché. Et il faudra beaucoup de temps, je dirais, pour que l'œuvre de Degas soit admise dans son entier. Ce qui se passe au musée d'Orsay, au musée du Luxembourg, dont hérite le musée d'Orsay, c'est entre les deux guerres, selon la formule de Louis Bossel, une attention au début résolument classique du peintre. C'est ce qu'on avait découvert effectivement avec la famille Lely, avec d'autres œuvres, et il y a beaucoup de très belles acquisitions, je dirais, de donations qui sont faites à ce moment-là. Mais l'exposition de 88 permet effectivement notamment de découvrir l'œuvre tardive et de susciter d'autres... Mais pour en revenir à ce très célèbre tableau, désormais donc rentré dans les collections nationales à l'occasion des ventes de l'atelier, on croyait tout savoir du tableau grâce à votre étude 1988 et dans le catalogue que vous avez publié l'année dernière, Henri, vous proposez par exemple une nouvelle datation de la famille Bellelli. Vous pensez que le tableau est plus tardif qu'on ne l'imagine et que c'est moins peut-être l'œuvre de jeunesse
qu'on a un peu fixé. Ce tableau, tout le monde le connaît. Donc, on sait très pertinemment, il y a quelques dates clés, que Degas commence à y travailler en 1858. Entre 1857 et 1860, il fait deux voyages en Italie. Il s'arrête à Florence et il a l'idée de ce qu'il appelle un tableau. Et la notion de tableau est importante pour Degas. Quand il dit un tableau, c'est une œuvre de grand format et certainement destinée au salon. Donc ça a une signification précise. Ce n'est pas comme on dit, je vais faire une peinture ou je vais faire un portrait. Il était dans un milieu familial extrêmement sollicité pour faire des portraits. Il en avait peu assez, mais enfin, il avait généreusement portraituré l'ensemble de sa famille italienne. Et tout d'un coup, je dirais, avec sa tante Bellelli, qu'il aimait particulièrement, qui était une femme un peu bizarre, je dirais, et son mari, Gennaro Bellelli, qui était un publiciste exilé à Florence. Il était napolitain d'origine, comme la famille de Degas, la famille paternelle de Degas. Il décide de s'atteler à un tableau de grande dimension. Je dirais un tableau sur un sujet qui est un sujet qui, pour l'instant, n'avait été traité. On pense au dessin d'Ingres et en particulier, par exemple, au dessin de la famille Stamati, qui a d'ailleurs été fait à Florence, je dirais. Mais jamais dans un si grand format, on avait traité une scène aussi informelle, en quelque sorte, un portrait aussi informel. Degas commence à y travailler dans les années 1858-60. On a ces témoignages dans les carnets. Et on voit réapparaître le tableau de façon à peu près sûre. On a deux témoignages, celui d'un journaliste qui s'appelle Thiébaut Cisson et celui du peintre Henner. On le voit réapparaître au salon de 1867. Et on a beaucoup dit finalement que Degas, en 1867, s'était contenté de rabibocher, c'est ce que j'ai dit moi-même longtemps, d'un tableau en fait qui existait déjà depuis longtemps et qu'il avait rajouté un certain nombre de choses pour pouvoir le présenter au salon. Or, effectivement, tout dans cette toile dément cette histoire. Les esquisses que l'on a sont des esquisses qui, si pour la composition, donnent quelque chose d'à peu près semblable, pour le fond, donnent quelque chose d'extrêmement différent. Certains détails que vous voyez, par exemple le chien qui est coupé, la complexité du fond, cet aspect un peu vibrionnant, en quelque sorte, du fond, la façon dont sont traités, par exemple, les pendeloques du lustre, ou même, détail encore plus probant sans doute, le fait que dans le miroir, se reflète une scène de course que Degas ne traitait pas évidemment au début des années 60 et qui n'apparaissent que dans la seconde moitié des années 1860, montre qu'on est véritablement sur une œuvre qui est une œuvre qui doit se situer au moment du salon. Il y a deux choses pour moi qui sont importantes aussi, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais et je dirais d'un point de vue de la méthode peut-être que c'est intéressant, c'est que Degas a très souvent réagi, je dirais, à ce que pouvaient faire ses confrères. Peut-être qu'on parlera de la rivalité avec Manet, par exemple, mais toujours apporte des solutions et se positionne. Il y a quelqu'un qui compte énormément pour Degas dans ces années-là, qui est un peintre que l'on a depuis un tout petit peu occulté, et puis qui finira mal, je dirais, mais qui est un peintre vraiment intéressant et important dans les années 1860, c'est James Tissot, qui n'est pas encore le peintre... Auquel le musée d'Orsay consacrera une exposition prochainement, se concentrant particulièrement sur les années 1860. Qui sont magnifiques et qui ont compté pour Degas, parce que certaines solutions trouvées par Tissot l'intéressaient beaucoup. Ouais. Et Tissot, l'année précédente, a produit pour le salon un grand tableau qui est chez vous, d'ailleurs, le portrait de la marquise de la famille de Miramont, qui est un portrait complexe, je dirais un tout petit peu, et à la fois complexe et informel, un peu comme le portrait par Degas de sa tante Bellelli et de ses filles. Alors je crois qu'il y a effectivement une réponse d'une certaine façon à Tissot, mais une réponse qui s'inscrit véritablement dans la mouvance d'Ingres. Ingres vient de mourir, on est en 1867, c'est le salon de 1867. Le grand événement du début de l'année de 1867, ça a été en janvier la mort d'Ingres, qui a été pour Degas véritablement quelque chose de considérable. Ingres, c'est la divinité tutélaire de Degas. Tout commence avec Ingres. On est en 1855, Degas se lance, veut devenir peintre, enfin c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ce milieu, je dirais, il veut devenir peintre, et il réussit à approcher Ingres pour une histoire de prêt de tableau à l'exposition universelle. Et il va le voir, il lui dit cette phrase très émouvante, je trouve extraordinaire même, « Je fais de la peinture, je commence ». Et Ingres, très généreusement, va lui dispenser un certain nombre de conseils que Degas conservera, je dirais, dans sa tête toute sa vie, qu'il ressassera, qu'il resservira d'ailleurs à tous ses interlocuteurs, montrant bien dans quelle filiation, en quelque sorte, il s'inscrit.
Et je crois que tous ces événements, en quelque sorte concordants, tous ces détails, je dirais mis bout à bout, plaident effectivement. Et je dirais aussi une chose importante, c'est que le tableau est d'une seule pièce, c'est-à-dire que ce n'est pas un tableau qui a été retrafiqué. Donc on est véritablement en 1867, et Degas ne resserre pas quelque chose qu'il avait déjà étudié. Et la date, évidemment, de façon irrésistible, nous oblige à parler de la question moderne, au fond, et de d'un Degas qui incarne un de ses élans vers le sujet moderne, vers un traitement nouveau du portrait aussi, ce que Duranty dira très bien dans son essai, évidemment, sur la nouvelle peinture. Le grand héros de la nouvelle peinture, du texte de 76, c'est Degas. Mmh. Et c'est Degas, notamment, dans son apport décisif au portrait, et singulier d'ailleurs, qui est très différent de ce que Manet peut pratiquer à l'époque aussi. C'est-à-dire que là, on a une voie singulière qui commence à s'imposer dans la peinture française. Degas a une place singulière dans cette jeunesse de la modernité et dans un dialogue, comme vous l'avez dit à l'instant, d'amitié et de rivalité avec Manet. Oui. En fait, ce sont les deux grands géants qui s'affrontent et qui ne propose pas les mêmes réponses, au fond, au même problème. Enfin, me semble-t-il. Oui, Manet a toujours asticoté Degas parce qu'il était un peu plus âgé que lui. Il était de 1832, Degas est de 1834. Ils se sont rencontrés sans doute plus tardivement qu'on le dit, parce qu'on a beaucoup dit qu'ils s'étaient rencontrés au début des années 60. Non, ils se rencontrent véritablement vers 1868, 1869. Enfin, ils commencent véritablement des liens très forts d'amitié à ce moment-là. Et Manet a toujours charrié Degas en disant quand moi déjà je peignais des sujets modernes, lui en était encore à peindre des scènes d'histoire. Et on pense effectivement à des tableaux du musée d'Orsay que vous connaissez tous, Sémiramis ou les malheurs de la ville, les scènes de guerre au Moyen-Âge, etc. Ce qui est d'ailleurs mal jugé, les tableaux d'histoire de Degas, parce qu'ils sont, dans le domaine de la peinture d'histoire, complètement novateurs, je dirais. Et sans doute en résonance avec certains événements contemporains. Et sans doute en résonance avec... Il y a toujours un aspect allégorique chez Degas, enfin, on ne va pas insister là-dessus, mais on a mal jugé aussi la production de Degas, peintre d'histoire, qui s'inscrit au début des années 1860, et sur laquelle il reviendra lui-même. Et donc, Degas, c'est quelque chose à laquelle il réagira extrêmement mal. D'ailleurs, il y a des indices intéressants, c'est une des choses que j'ai dit dans mon dernier catalogue, c'est que, par exemple, il y a une peinture qu'il réalise en Italie, qui s'appelle La mendiante romaine, et qui est un sujet, je dirais, classique, je dirais, pour ceux qui font le voyage italien. Degas le vend dans les années 1890. Le date, à ce moment-là, 1857, et le vend dans les années 1890. Et je pense qu'il le vend véritablement pour montrer qu'avant Manet, il avait lui aussi proposé des sujets réalistes, avant le vieux chiffonnier, avant le buveur d'absinthe, etc. Donc il s'inscrit toujours dans une rivalité avec Manet. Leur terrain, ça sera la gravure, leur terrain, ça sera le champ de course. Oui. Effectivement, et ces sujets de la modernité qui commencent véritablement dans la seconde moitié des années 1860. Et dans ce dialogue, d'un certain point de vue, à la fois avec les maîtres, vous l'avez dit, Ingres, la très très grande référence, mais on pourrait, ça nous entraînerait un peu loin, mais il y a tout le rapport avec les maîtres anciens qui est passionnant, enfin aussi, puisque Degas est un artiste immensément lettré, qui fréquente beaucoup le Louvre, qui a vraiment un rapport avec l'histoire de la peinture et qui s'inscrit, qui va construire son inscription, au fond, dans l'histoire de la peinture, à la fois dans une perspective longue. Je pense par exemple à sa passion pour la Bézabée de Rembrandt, qui reviendra comme un leitmotiv dans un certain nombre de nus, notamment même tardif, enfin c'est vraiment une référence absolue. Et c'est aussi quelqu'un qui construit, on l'évoquait à l'instant avec le rapport avec Manet, mais qui va construire son entrée ou son inscription dans l'histoire de la peinture française petit à petit, notamment par le biais de sa propre collection aussi et de ce souci dans la deuxième partie de sa vie de rassembler autour de lui au fond sa propre vision de sa propre trajectoire et de ce qui l'accompagne dans cette trajectoire, c'est-à-dire l'achat effectivement assez frénétique de toiles de ses contemporains à partir des années 90 notamment. Enfin, ça c'est quand même assez fascinant, comme on a peu d'équivalent. Enfin, je ne vois pas d'autres artistes dans cette démarche-là à la même génération. Ce que vous dites est très important parce que
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qui restait dans l'atelier, sur la façon qu'a eu Degas toute sa vie de se construire une filiation. Mmh. Il a commencé avec Ingres, nous sommes en 1855, et puis il y a un événement considérable, c'est durant le voyage italien, 1858-1859, la découverte de Gustave Moreau, l'amitié avec Gustave Moreau, qui est quelque chose de considérable, je dirais, dans l'existence de Degas. Gustave Moreau devient vraiment le mentor de ce jeune artiste. Et c'est Gustave Moreau qui l'introduit à Delacroix, à Fromentin aussi, mais véritablement à celui qui passait alors pour l'antagoniste, en quelque sorte, d'Ingres. Et lorsque Degas revient à Paris en 1859, tout d'un coup, il est complètement tourneboulé, il n'en a plus que pour Delacroix. Mais finalement, il se construira, je dirais, s'inscrira dans une glorieuse trinité où il y avait effectivement d'un côté Delacroix et Ingres, c'est-à-dire qu'il réconciliait en sa propre personne ce que l'on jugeait irréconciliable, et puis il y avait lui-même qui formait la troisième personne de cette trinité. Et c'est quelque chose qui effectivement présidera dans les années 1890 à toute la réflexion qu'il va construire sur sa collection. Et ça, c'est une chose importante, parce que longtemps, j'ai dit, comme beaucoup, je dirais que Degas avait une passion pour la collection, avait commencé à acheter des œuvres, etc. Et tout d'un coup, voyant sa collection considérable, il a pensé à faire un musée. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en fait, Degas, dans les années 90, c'est un homme qui a atteint la soixantaine, qui a gardé énormément de choses chez lui, sur lesquelles il travaille constamment, parce que Degas, c'est une œuvre ouverte, une œuvre en progrès. On en parlera peut-être. Et tout d'un coup, ce souci de l'avenir de cet atelier. Ce qui est un problème qu'avait pas Monet, ce qui est un problème que n'avait pas Renoir. Il était seul dans ce cas, en quelque sorte, d'un artiste qui le vendait justement uniquement pour gagner sa vie et pas au-delà. Et donc, tout d'un coup, il n'est pas satisfait non plus de la situation des musées français. Le musée du Luxembourg présente mal, et le Lech Caillebotte le prouvera encore, les artistes impressionnistes. Il récuse ce que lui-même appelait les proximités douteuses, c'est-à-dire le fait d'être accroché à côté d'artistes qu'il déteste ou qu'il méprise, Jérôme, Bougrot, etc., et ne se voyait pas entrer dans ce Capharnaüm. Donc, ce qu'il voulait, effectivement, tout d'un coup... Et puis, il avait le contre-exemple, parce qu'on en parlait déjà, de Gustave Moreau. Gustave Moreau, dans les années qui étaient très liées avec lui. Ensuite, ils s'étaient séparés, ils ne se parlaient plus, je dirais. Mais Gustave Moreau revient dans les années 90 comme une figure importante du mouvement symboliste. Et on savait que Gustave Moreau préparait son musée, enfin, qu'il ouvrira après sa mort en 1898, mais qui était un musée destiné uniquement à lui-même. Moreau se contemplait dans toute l'ampleur de sa carrière, mais ne faisait aucune place, je dirais, à aucun autre artiste, sauf le petit portrait que Degas avait fait de lui. Mais voilà. Et donc, tout d'un coup, Degas a ses modèles face à lui, la détestation du Luxembourg, le contre-exemple de Gustave Moreau. Il a le poids de cet atelier, le poids de sa carrière. Et il se dit, je ne veux pas être seul, c'est-à-dire je ne veux pas construire, je veux que ma collection soit entourée des miens. Et les siens, c'est effectivement Ingres et Delacroix, c'est-à-dire là dont il est issu, et puis de façon très extraordinaire, très perspicace et avec d'immenses chefs-d'œuvre, des artistes de la jeune génération. Alors soit ses exacts contemporains, il a un ensemble de Manet absolument magnifique, il rassemble les fragments de l'exécution de Maximilien. C'est quand même admirable. De Maximilien, beaucoup d'autres choses, œuvres gravées, etc. Et puis là, parmi les plus beaux Gauguin, vous avez ici la Belle Angèle, mais la Belle Angèle, c'était Degas. Enfin, et il a Cézanne et il a Van Gogh. Donc avec une perspicacité, je dirais, sur la jeune génération qui est absolument, absolument remarquable. Oui. Et puis tout d'un coup, il laisse tout ça tomber, mais ça, c'était aussi la démarche de Degas qui était de dire, après avoir fait tant d'efforts, à quoi bon ? Pour revenir à une question d'historien d'art, il y a quelque chose qui m'intrigue et qui forcément m'interroge maintenant en tant que présidente d'Orsay, puisque nous réfléchissons avec l'équipe des conservateurs à un réaccrochage de la collection, en se posant fondamentalement la question de la pluridisciplinarité de nos collections. C'est une des richesses d'Orsay, et c'est évidemment un effet miroir de la création de la fin du XIXe siècle, de la connaissance des arts aussi de cette période si riche. Et il se trouve que Degas est peut-être l'artiste le plus complet, le plus libre de cette période, celui qui pose avec le plus, je pense, d'acuité, mais le plus défi pour l'historien d'art, la question de la pluridisciplinarité.
passé les premières années où il est effectivement, il commence dans la peinture, c'est un artiste qui se déploie dans toutes les techniques, avec une liberté qu'on retrouvera, alors qu'on retrouve chez Gauguin un petit peu, et ça, on voit là l'effet miroir, qu'on retrouvera chez Picasso au XXe siècle, et là il y a des parallèles très intéressants à tirer entre les deux hommes. Mais comment saisir cet artiste qui est constamment en train de se réinventer et dont l'œuvre est parfaitement ouverte aussi, qui circule en quelque sorte, est une sorte de gigantesque work in progress en fait. C'est ça, ça. J'aimerais vous entendre là-dessus, Henri, parce que c'est Je crois que vous avez tout dit en partant effectivement de ce principe et de cette constatation. On peut peut-être mettre à l'écran d'ailleurs des images aussi de gravures, de sculptures, il y a un monotype, voilà, par exemple, voilà, d'un monotype aussi pour montrer. Degas, effectivement, c'est une œuvre complètement ouverte. Dans les années 1860, à l'instar de Manet, il va s'attacher au tableau, c'est-à-dire faire des œuvres qui sont relativement closes. Mais très très vite, et on le verra dès les fins des années 60 et des années 70, il y a un passage permanent, je dirais, selon différentes techniques d'un même thème, une circulation, je dirais, d'une liberté incroyable entre tous ces domaines. Et c'est quelqu'un qui a aussi toujours privilégié l'invention technique. Oui. Vous citiez par exemple la Bethsabée de Rembrandt, toutes les questions de restauration, et Dieu sait s'il a pesté contre les restaurations du Louvre, contre le massacre, disait-il, de la Bethsabée de Rembrandt, justement, dans les années 90. Précédemment, sous le Second Empire, il avait été attentif aux restaurations qu'il jugeait trop fortes de conduite par Villot, etc. Donc, l'art de peindre, la façon de peindre, le travail artisanal, je dirais, de la peinture, était quelque chose qui... La matière. Et puis la recherche, toujours la recherche, le mythe de la recherche du secret des anciens, il travaillera là-dessus, il bousillera d'ailleurs un certain nombre de tableaux parce qu'il faisait des expériences quelquefois un tout petit peu malencontreuses. Mais enfin, cette obsession était aussi une obsession technique, des moyens, c'est-à-dire quel est le meilleur moyen en quelque sorte pour exprimer ce que je veux montrer, ce que je veux dire, ce que je veux faire. Et le plus bel hommage qui sera fait à Degas, c'est celui de Pissarro dans les années 90, dans l'affaire Dreyfus, enfin je dirais, avec ces tensions qu'il peut exister effectivement entre Pissarro et Degas, mais ils se voyaient, ils s'admiraient quand même, je dirais, mais enfin, je dirais, on était quand même dans des rapports extrêmement tendus entre les deux. Ils sont un peu opposés, voilà. Mais Degas qui va de l'avant sans cesse. Oui. Et moi, c'était vraiment, et si je dis au bout de 45 ans, je trouve qu'encore du plaisir à travailler sur lui, c'est cette ténacité, c'est le fait de ne jamais se reposer sur des formules toutes faites. Et vous trouverez peu d'artistes dans cette génération qui, sur une aussi longue carrière, on commence en 1855, on finit autour de 1910, aient cette capacité constante de renouvellement. Et cette capacité constante de renouvellement, elle est aussi conduite par le souci de l'invention technique et de l'adéquation, je dirais, entre expression et moyens techniques. C'est l'invention, plutôt la réinvention du monotype, donc conduite avec son ami Lepic, avec des pièces tout à fait extraordinaires, qui est celle conservée à Orsay, qui sont des pièces quelquefois mal comprises, mal jugées, mais que je trouve admirable. On est dans des œuvres de relativement grand format. Quelquefois, il retouchait au pastel, etc. C'est aussi la photographie. Je ne sais pas si on a, une photographie, peut-être. On va mettre à l'écran la photo de Renoir et Mallarmé, qui a appartenu à Paul Valéry, d'ailleurs. Voilà, ça c'est une chose magnifique. Et on voit dans le miroir Degas avec son appareil photographique et Madame Mallarmé et sa fille Geneviève. Donc c'est une photographie à la fois admirable et profondément émouvante. Et en plus de ça, elle a appartenu effectivement à Paul Valéry. Mais un bel exemple, la photographie, par exemple. La photographie, je sais qu'on s'interrogeait lorsqu'on travaillait en 1988, et Anne Rockberg, qui est ici, s'en souvient, sur la place de la photographie dans une rétrospective. Elle était considérée comme documentaire, c'est-à-dire qu'on ne percevait pas effectivement que Degas, à la fin de sa vie, enfin, on est en 1894-1895, l'aboutissement, je dirais, de son travail en noir et blanc, c'est la photographie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup ont utilisé, bien évidemment, beaucoup d'artistes ont utilisé la photographie, mais peu l'ont considéré, effectivement, l'ont intégré, en quelque sorte, dans leur œuvre et dans leur recherche. Or, Degas qui disait « Si j'avais recommencé toute ma carrière, je la ferais uniquement en noir et blanc », ce qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, très troublant et très intéressant,
effectivement, trouve dans la photographie effectivement des solutions, quelque chose qu'il cherchait, qu'il n'avait pas trouvé auparavant. Mais pour revenir là-dessus, en 1988, on était sur Degas photographe au balbutiement. Il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait strictement rien. Ensuite, il y a eu les travaux très remarquables de Malcolm Daniel, de Sylvie Aubenas, qui ont fait comprendre la photographie. La sculpture, on la connaissait bien. Alors, enfin, on en parlera. C'est une des plus belles et une des plus grandes sculptures, évidemment, du 19e siècle. C'est un chef-d'œuvre absolument inouï qui débarque comme ça en 1881. Là, je dirais, c'est une sorte de reproduction de la sculpture, parce qu'elle est en cire avec des vrais chaussons, des vrais... Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas exactement ça, mais ça donne une idée, effectivement, de ce que c'était. On imagine le choc que ça avait. Je pense, là, c'est une espèce de coq à l'âne, mais vous mentionniez, par exemple, toujours Degas attentif à d'autres. Je pense que l'exemple de Gauguin, qui prouvait l'exemple de Gauguin, qui avait prouvé à l'exposition impressionniste précédente que non seulement il était peintre, mais il était aussi sculpteur, a joué certainement par Degas, qui pratiquait déjà la sculpture, mais qui n'avait jamais songé, en quelque sorte, à en faire une aussi importante et à l'exposer. Donc il y a aussi cette question de rivalité, mais d'attention. Et ça, je crois que c'est important chez Degas. Il a toujours été attentif à la jeune génération, toujours, et c'était aussi une de ses sources de renouvellement. Et en retour, d'ailleurs, ce que montre actuellement l'exposition Gauguin au Grand Palais, c'est l'admiration durable de Gauguin pour Degas. Oui. C'est au fond la seule, peut-être, figure qui ne bouge pas dans son panthéon des grands contemporains. Et donc on voit bien là l'effet miroir entre les deux artistes qu'on n'associe pas toujours, mais qui en fait sont assez proches dans leur... Ils avaient des relations difficiles, difficultueuses, mais enfin... J'entends, il y a une admiration énorme. Une vraie admiration, je pense, réciproque. Il y a quelque chose en regardant la petite danseuse, même si on n'est pas sur la version exacte, mais peu importe. Vous disiez, on échangeait quelques mots avant cet entretien, et aussi ce que vous rappeliez que la collection de Degas ne contenait pas que des œuvres insignes de ses contemporains, mais aussi des objets, des choses assez étranges, des tissus, des attentions à l'étoffe, à la texture, au fond, des choses. Comme vous le disiez, un mélange du high and low. C'est une chose qu'on doit un peu plus attentivement étudier, parce qu'on a considéré effectivement la collection de Degas qui était... admirable, hein, énorme. Il y a une très belle exposition à New York au Met, enfin avec un très très bon travail, un gros catalogue effectivement montrant l'ampleur de cette collection. Mais on a sorti en quelque sorte de la collection des objets qui étaient des objets plus infimes. Et Dieu sait s'ils étaient en grand nombre. Il y avait des poupées javanaises, il y avait des cannes sculptées, il y avait des mouchoirs. Et on voit par exemple Degas passionné, je dirais, au cours d'un voyage en Normandie, par les mouchoirs brodés qu'il demandait qu'on lui rapporte, etc. Une attention au textile aussi, qui est d'ailleurs très intéressante en relation au pastel, parce que ce qu'on disait sur la texture, je dirais. Cette passion pour la matière. Mais ça demande à être étudié, donc... Voilà, c'est du travail pour les 20 prochaines années. Et je pense que l'on a séparé, qu'on a coupé, et ça c'était une chose extrêmement moderne chez Degas, effectivement. On a sorti ce qui était respectable, en quelque sorte, peinture, dessin, peu de sculpture, mais peinture, dessin, gravure des grands artistes, et on a laissé de côté ce qui, comme vous le dites, relève du low, c'est-à-dire de ce qui n'est pas effectivement fréquentable, exposable dans les musées. Mais il y avait une acuité, je dirais, extrêmement moderne, de Degas collectionneur, dans la façon dont il regardait effectivement les choses. Donc maintenant, je pense qu'on devrait intégrer tout ça effectivement lorsqu'on étudie la collection de Degas. Autre grande question, je trouve, que pose Degas et qu'une magnifique exposition il y a quelques années à la Fondation Beyeler avait posée, c'est la question de l'œuvre tardive aussi de Degas. C'est une très belle question d'histoire de l'art de toute manière, une belle question philosophique tout court. C'est la liberté au fond de l'artiste qui ne doit rien au monde, ou ne doit plus rien au monde qui l'entoure, qui s'enferme dans son univers. Et bon, Degas était aussi un homme qui avait, on le sait, un problème de vision, qui s'amenuisait au fil du temps, mais la liberté est totale. Et cette œuvre tardive, vous le disiez, en 88, commence à être reconsidérée
Et aujourd'hui, c'est peut-être la part la plus aimée, j'allais dire, des historiens d'art, celle qui est peut-être la plus stimulante, la plus moderne, entre guillemets, si se tentait que ce mot ait encore un sens aujourd'hui. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'on a basculé, d'un certain point de vue, entre de la famille Bellelli à, au grand nu, inachevé, extraordinairement irisé de couleur, et on a complètement réapprécié, et on a découvert un autre Degas. Et j'aimerais aussi que vous me disiez quelques mots sur cette liberté. On a découvert un autre Degas, péniblement, parce qu'il a fallu recomposer les œuvres. Oui. Moi, je me souviens, je vous le disais tout à l'heure, d'un achat que j'avais pu faire à Orsay d'un grand fusain et pastel tardif qui avait été acheté pour rien chez Durand-Ruel. Et Charles Durand-Ruel, qui était un homme merveilleux, ne comprenait absolument pas qu'on puisse acheter une horreur pareille. Mais enfin, il l'a vendu quand même libéralement. Mais enfin, je veux dire, c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, à travers cette génération, et Dieu sait si c'était un œil averti, quelque chose qu'on n'acceptait pas dans l'œuvre de Degas, sans parler des réactions de la famille Rouard devant les portraits tardifs de la famille Rouard, effectivement. Mais peut-être que Jean-Marie Rouard en parlera. Et donc, on découvre effectivement cette œuvre. Alors, on l'a beaucoup attribué, je dirais, cette espèce d'errance de Degas à la fin de sa vie, ces choses extrêmement libres, je dirais, à son difficulté de vision. Oui, je pense qu'il entre pour très peu là-dedans. Oui, je crois que c'est aussi un cliché. Je pense que c'est un peu un cliché. C'est un cliché. Ce qui est important chez Degas, et ça, il a toujours dit, et c'était aussi un des préceptes d'Ingres, c'est la mémoire. C'est-à-dire que c'est un art, effectivement, de la mémoire, du souvenir, de la répétition, du ressassement. Et ça, je dirais, Degas, toute sa vie, il le dit, les gens le montrent, qui vont voir dans son atelier, s'il n'avait plus les yeux, il avait la mémoire du trait. C'est-à-dire que ça, il y avait le geste, effectivement, et ça, il ne l'a pas perdu. Et ça, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Seulement, il y a dans les années 90, et ça, c'est aussi quelque chose de très sensible, je dirais une dilution, en quelque sorte, des thèmes et des sujets. Les danseuses sont aussi dénues. On en parlait tout à l'heure avec Marine Kiesel et Leïla Gerbouet sur le projet de 2019, que l'on conduit grâce aussi à Stéphane Wissner dans le cadre de ce 350e anniversaire de l'Opéra de Paris. À la fin, je dirais, tout ce qui était si strictement balisé, les scènes de danse, les scènes d'opéra, etc., les danseuses errent dans des décors qui sont des paysages, des jockeys, dans des montagnes qui n'ont plus rien à voir avec le champ de course. Il y a une négligence, je dirais, complète. Passez peut-être cette image très extraordinaire du jockey. Ça, c'est un tableau extraordinaire. Alors ça, c'est un grand tableau qui est à Bâle. Donc on est dans les années 1890. Degas avait travaillé sur ce thème dans les années 1860. En 1866, il avait exposé une scène de Steeplechase qui existe toujours et qui est à Washington, qui est un magnifique tableau. Et puis, dans les années 90, il revient avec ça. Et vous voyez que c'est une œuvre absolument étonnante. Alors, vous comprenez bien que lorsque l'on découvre ça en 1917, c'est des choses qu'on ne comprend absolument pas. Parce qu'on est évidemment beaucoup plus près de Matisse que de ce que l'on pouvait connaître à l'époque. Donc avec ces grandes figures simplifiées, ce jockey qui est comme un pantin de bois affalé sur ce pré émeraude. Et Degas récuse en quelque sorte, plus rien ne reste du champ de course, c'est une scène totalement aberrante. Le cheval ne bénéficie même pas en quelque sorte des avancées scientifiques que lui donnaient les photographies de Muybridge et de Marais qui avaient montré comment un cheval galopait, c'est-à-dire on sait très bien qu'il ne galope pas comme ça, et Degas s'en fout complètement, alors même qu'il avait copié Marais et Muybridge, mais il retourne effectivement à la représentation du cheval qui devient comme une espèce d'ange médiéval, je dirais, qui barre complètement la toile. Donc il revient à la peinture, je dirais, et il dit tout ce que vous pouvez dire sur la précision du sujet, le réalisme, tout ce que vous pouvez dire sur l'exactitude scientifique, je n'en ai rien à faire, je peins. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument admirable. Et c'est en cela qu'il est éminemment moderne. Et c'est là que le lien avec beaucoup d'artistes, effectivement, du début du XXe siècle se fait. Alors, il se fait rétrospectivement, mais
C'est extraordinairement frappant quand on regarde un tableau aussi admirable. D'où la dévotion de beaucoup d'artistes, évidemment, tout au long. On peut montrer ce tableau rouge et blanc, par exemple, de la coiffure qui est à Londres, qui a appartenu à Matisse. Donc on voit effectivement les relations évidentes qu'il y a entre cette peinture-là, on est dans les années 1890, on les date difficilement. Vous voyez que c'est un grand format quand même, 1m50 de large. On parle de la couleur, un tableau bichrome, rouge et blanc, ça c'est aussi quelque chose de très, très, très étonnant, je dirais. Et puis cette simplification absolument extraordinaire. Et puis cette intensité de la couleur. Je crois qu'il y a une des choses très frappantes dans les années 1890 avec Degas, avec les pastels, avec des tableaux comme celui-là. Et ce qui fait la grandeur de la fin de Degas, celui qui avait le mieux compris ça, c'était Renoir. Renoir, Dieu sait s'il avait des relations ambiguës avec Degas, a dit que Degas n'aurait pas été un si grand artiste s'il n'avait pas, je dirais, délivré ses œuvres tardives. Donc c'est pour lui l'apothéose, en quelque sorte, et il y avait une grande perspicacité à ce moment-là, l'apothéose de l'œuvre de Degas. Et puis, alors, ce qu'il appelait, enfin, je dirais, plus que ce qui est frappant dans une œuvre comme ça, c'est qu'il hausse le ton, en quelque sorte, par rapport, évidemment, aux tableaux antérieurs. C'est un tableau extrêmement vif, extrêmement violent aussi, et il parlait lui-même d'orgie de couleurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de très frappant à ce moment-là. Oui, il y a une liberté absolue et au fond une négligence des codes. On se libère totalement. Degas est absolument. Alors, ce que je pense aussi, c'est intéressant, ça il faudrait l'étudier. C'était Gary Tintoro qui m'avait suggéré ça. C'est que le retour au grand format dans ces années-là va avec l'idée de musée. Oui. C'est-à-dire qu'il veut avoir des choses qui effectivement puissent tenir la route. Et soit véritablement des peintures de musée, non pas de ces produits ou articles qu'il délivrait si volontiers dans les années 70 et 80. Oui, c'est certainement très juste. On va peut-être finir, cher Henri, notre conversation sur une image que je trouve magnifique et intrigante, qui nous ramènera un peu plus en avant dans la carrière de Degas, c'est Mademoiselle Fiocre, parce que c'est au fond une façon d'annoncer le travail qui est déjà en cours sur Degas à l'opéra, avec une image très, très intrigante, incroyablement complexe, composée, entre le portrait, l'évocation d'une scène de spectacle, mais étrange, bien étrange à décrypter. Et là, tout ce que vous disiez à l'instant sur le travail de mémoire, c'est le travail d'imagination, le travail en atelier. Degas est profondément un homme d'atelier qui n'adhérera jamais à la question du plein air, on le sait. Et donc... la peinture est cosa mentale pour Degas. Il n'y a pas d'art moins spontané que le mien, disait-il. C'était véritablement quelque chose qui était toujours voulu travailler, d'où effectivement la façon dont il a constamment récusé le travail sur le motif, enfin qui était quelque chose, il disait, il faudrait fusiller les peintres qui peignent sur le motif. Enfin, c'était quelque chose de totalement aberrant pour lui. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est aussi un précepte important, et là on est encore dans l'héritage d'Ingres, c'est la fausseté qui fait l'art. Et on le voit effectivement avec le tableau précédent, c'est véritablement l'art, ce n'est pas la reproduction plate de la réalité. C'est la fausseté qui fait l'art. Et l'exposition donc que nous faisons en 2019 le montrera une fois de plus. L'opéra, c'est pour Degas ce que Pierre Boulez aurait appelé sa boîte à outils. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de thèmes qui apparaissent, disparaissent tout au long de sa carrière, mais à partir du moment où il entre à l'opéra, c'est-à-dire au milieu des années 1860, j'entends où il entre, c'est-à-dire où véritablement il s'intéresse à ce thème, il ne l'abandonnera jamais, alors qu'il y aura des interventions sporadiques dans le domaine du paysage, ou des bodhistes, ou des scènes de course, etc. Donc ça sera vraiment quelque chose qu'il exploitera tout le temps, parce qu'il y avait évidemment une correspondance évidente entre ce monde factice, de distance et de phare, comme il le dira dans un de ses sonnets, et puis son art à lui, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment une équation et correspondance. Et donc, ça, c'est le premier exemple, en quelque sorte, d'être profondément émouvant. Vous avez raison de dire que c'est un tableau déroutant, parce qu'au fond, rien n'indique la scène de danse. Sinon, les deux petits chaussons roses qui sont entre les solides pattes du cheval, rien n'indique la scène d'opéra, mais ça, c'est aussi quelque chose qui apparaîtra plus tard. On n'est pas, je dirais, pendant le ballet lui-même, la source
créé à l'Opéra de Paris en 1867, on est pendant une pause pendant la représentation. Le titre lui-même qu'il donne au salon est assez alambiqué, on ne le comprend pas très bien, c'est « Portrait de Mademoiselle E.F., c'est-à-dire Eugénie Fiocre, à propos du ballet de la source, à propos du... » Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais enfin, il est effectivement, on est sur la scène de l'opéra et en même temps dans une espèce de paysage à la Courbet avec des rochers. C'est assez curieux. Mais oui. Vous pensez que ce jeune artiste expose ça au salon alors même, je dirais que Mademoiselle Fiocre est un modèle célèbre. Mademoiselle Fiocre, elle est peinte par Winterhalter, c'est une des gloires de l'opéra, c'est l'Aurélie Dupont d'alors. Je dirais donc tout le monde la connaît, elle est sculptée par Carpeaux, on a le buste Carpeaux ici. Donc il y a quelque chose de très très énigmatique. Et elle est méditative. Elle est méditative, elle est mélancolique. C'est l'audace des plus grands portraits de Degas aussi, d'introspection, voilà. De gens un peu perdus. Et je dirais, une fois qu'il a grimpé sur la scène, il ne la quittera pas. Alors, il en utilisera toutes les possibilités, toutes les vues plongeantes, les questions d'éclairage, les questions de mouvement, les questions de groupement, de figures, etc. Mais ça sera vraiment là qu'il trouvera, en fait, avec l'opéra, le centre de gravité de son œuvre. Ça reste un tableau très énigmatique. Mais peut-être, vous me permettrez, Laurence, de dire, ce tableau, il est exposé au salon. Et il est descendu par eux. Et ça, je crois que c'est aussi une chose importante, qui juge la peinture japonisante et un peu mince. Ça sera un leitmotiv, disant que Degas, il avait beaucoup de qualités, mais il n'était pas nécessairement peintre, pas assez peintre, je dirais. Et ça, c'est aussi, ça intervient régulièrement dans les comparaisons avec Manet. Et Degas va répondre à Zola, d'une certaine façon, avec ce tableau qui s'appelle Intérieur, que vous avez aussi, images. On l'a. Voilà. Qui est aussi un des tableaux les plus énigmatiques de Degas. Une vraie mise en scène, pour le coup. Mais c'est un tableau à la Zola. Oui. C'est un tableau à la Zola. C'est un tableau qu'il n'intitule pas, qu'il n'appelle pas. Plus tard, on l'a appelé, quand il rentre chez Jean Aurel à l'intérieur, certains l'ont appelé le viol, ce qui est sans doute le vrai sujet du tableau. Degas, lui, l'appelait ma scène de genre. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que Degas, à bon escient, montrait ses tableaux à quelques amateurs. Et il a montré ce tableau, et c'est à ce moment-là, à Paul Pougeot, et c'est à ce moment-là qu'il l'a appelé ma scène de genre. Et on est au moment, alors on a cherché à rattacher ce tableau à Zola, à Thérèse Raquin, à Madeleine Ferrat, et en fait, ça ne colle pas vraiment. Mais il fait une scène à la Zola. C'est au moment où Zola est... Le support principal de Manet, il y a une concordance entre les deux artistes. Lorsque Manet peint le portrait de Zola, il le peint comme Zola voudrait qu'il soit. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de... Manet était très stratège, très très habile. Et là, je pense qu'il y a aussi du côté de Degas, pour répondre en quelque sorte à la critique acerbe, de faire une peinture dense, solide, cruelle, dure, enfin terriblement dure. C'était tableau les plus dérangeants, les plus pénibles, je dirais, les plus magnifiques, effectivement, de toute l'histoire de la peinture. Et, bon, c'est quelque chose qui n'exposera pas, et Zola continuera à avoir des réticences. Considérable pour l'œuvre de Degas. Mais c'est aussi un tableau qui montre la capacité de Degas à dépasser la question du genre, même si c'est son tableau de genre, c'est-à-dire que il brouille les pistes. Il y a le format qui est quasiment un portrait, un format de peinture d'histoire, mais là aussi il le dira, c'est-à-dire en d'autres temps, vous savez, pour les femmes nues, il dira en d'autres temps, j'aurais peint des Suzanne Aubin. Là, en d'autres temps, il aurait peint un Tarquin et Lucrèce, enfin il aurait peut-être peint un sujet comme ça, effectivement, et là c'est... On est dans le sujet moderne. Et dans la note si singulière de Degas. Peut-être, Henri, en guise de conclusion, peut-être nous allons nous tenter de répondre à la question que nous posait Luc, c'est qui êtes-vous, monsieur Degas? Degas, au fond, continue à être un personnage assez mystérieux, assez énigmatique. En 40 ans de fréquentation passionnée de l'artiste et de l'homme, qu'avez-vous appris de Degas? Est-ce que vous avez changé votre jugement, votre perception de l'homme? Non, j'ai appris sur lui, j'ai appris de lui, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui a accompagné ma vie. Vous savez,
C'était, je citais au début cette figure de Paul Pougeot et vous citiez ces gens qui effectivement l'avaient connu. Paul Pougeot, écrivant à Marcel Guérin, lui disait « Vous avez la chance, enfin je cite de, en gros comme ça, vous avez la chance de vous intéresser à cet homme, je le fréquente en quelque sorte, on est bien après la mort de Degas depuis plus de 40 ans, et je ne m'en lasse pas. » C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. On n'en a jamais fini avec Degas. Et ça, je crois que c'est une des leçons, effectivement. Que je... Alors, c'est agréable de travailler avec un artiste sur lequel on n'en a jamais fini. j'ai travaillé un peu sur Bouguereau, on en a fini en 3 mois. Donc là, on a quand même plus de matière, plus de nourriture. Vous faites la gentillesse de me réinviter en 2019. C'est montre que, voilà... Sinon Degas, du moins, moi, j'ai encore quelque chose à dire. Oui, oui, nous n'en doutons absolument pas. Merci infiniment, cher Henri, d'avoir partagé avec nous votre magnifique lecture de si informée de Degas depuis 40 ans et qui continue avec passion et qui est transmise maintenant à la jeune génération des conservateurs d'Orsay. Merci infiniment. Merci.